Initiating system 1. System 1 loaded. Et Ohio, c'est Gunshow, et aujourd'hui je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Waouh, c'est quoi cette framerate très basse là en ville là? Ok, bon, tu sais calmer la framerate? Voilà, c'est bon. donc voilà, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de ghoul qui se relève là. Putain, mais je sais pas ce qui se passe dans cette ville, à chaque fois que je passe, il y a un ralentissement fou. Attends, je vais pas trop rester dans cette ville. Ah là, je suis sorti. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, tiens, on va vérifier un truc. J'ai pas vraiment de mission en tête à aller faire. Putain, c'est chiant ça. Je sais même pas qu'est-ce que c'est cet endroit. Je suis même pas encore approché, je crois, normalement dessus. Non. Pas le plus. On va rentrer dedans pour voir ce que c'est. La brasserie Brenton. On va voir qu'est-ce que c'est, hein. Il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Pourquoi j'ai si tant de. Enfin, si peu de. J'entends quelque chose. Ok, c'est rempli. Hey, qui est là? Ta mère. En plus courte. Lui, c'est pris une balle. Autrefois. Merde, c'est des... Au moins, est-ce que je peux les voir? Donc... On va quand même d'en revoir dans Brick à Break. Ok, c'est des guides. Fuck. J'ai pas de chance. Tac, je regarde si j'ai pas de cigare. Jean d'avant-guerre, scotch. Non, j'ai que ça. Je crois qu'en fait il faut qu'il y ait les capsules. Ok, là y'a rien. Nickel. Ok. Ok, y'a des. Ok. Ok, elles sont tous vides apparemment. Ok, une capsule dessus en fait. Ok. Oh, c'est logique. Très logique. Tiens, mange ça, toi. Monte ta tronche, toi. Tiens, mange ça. Ez, tu viens, je t'attends. Fou. Il a mangé une pelle, lui. Merde, c'était quoi ça? Merde, je peux pas te tirer à travers. Oh, pétard. Aide-toi.
intéressante. Alors forte. C'est pas énorme ça. Regarde ça. Ça. Ah. T'inquiète pas, je vais arriver, mais tu vas être déçu. Tu vas être vraiment, vraiment, vraiment déçu. Tu vas être déçu, mais d'une force. Que voilà, que tu vas faire miskin, tu vas. Tu vas déjanter. Tu vas dire, oh non. Pitié de moi. Pitié, et pitié. Ça marche pas. C'est bon. Ok. Tahal ? Putain, mais tu m'attaques le rat de cafard comme ça en mode vénère. Ça donne rien d'intéressant ce machin. Là, tac. Ticket d'elle. Verliqueur. Pomme d'Andy. Crayon. Non, ça redescend en bas ça. Ça sert à rien cet endroit en fait. C'était fermé pour une bonne raison, pour rien, je sais pas. Ah, une capsule, tiens. Ça, je dis pas non. Ok. Bon, ça, c'est fait. Bon, ça, ça a été activé. Cartouche, je te les prends. Bon, on va dire qu'on prend le pistolet fortune. C'est quoi ce bordel? Mais tu vas crever rapidos. Tiens, mange. Voilà. Bon, c'est réglé, c'est le train. Peut-être une cible à tuer, qui sait. Ça y est. Ah. C'est nice. Là, je lis pas. Bon, j'ai pas le temps de les vous laisser tout lire. Je regarde s'il y a des indices qui se mettront sur la carte ou autre. Ok, y a rien. Document technique. Tiens, quand on parle de documents dans l'autre épisode, je vais lire tout à l'heure, mais c'est dans l'autre épisode. Donc voilà. Ah! Bingo! Yes! Ça c'est pas mal. Vous avez trouvé un numéro de magazine Palissade. Vous pouvez maintenant fabriquer des clôtures dans les ateliers. Hein? Ça on pouvait pas faire déjà? On pouvait pas vraiment le faire. Ok, d'accord. Oh, je récupérerai les choses et je repasserai pour récupérer vraiment les choses intéressantes. On va appeler l'ascenseur. Je ne sais pas où on est, mais bref, on va voir. Activé. Descente. Étage. Hein? Ah, à ce côté, ok. Ok, cigarette. Hop, on enlève le machin. Ça, hop, on le désactive comme ça, ça me rapporte un truc. Ok, ça remet juste ici. Bon, c'est pas.
pas grand chose, hein, franchement. Bon, ça, je les enverrai dans mon inventaire plus tard. Cartouche, une impulsion. Ah, là, il y en a là. Voilà. On récupère tout ça. C'est le chien qui fait ça depuis... Oh pétard, oh my god. C'est ce chien qui fait ce bruit là, c'est le truc de ouf quoi. Je peux pas les prendre pour les sortir. De toute façon, ils sont tous vides. What the fuck? putain. Il y a de la romance dans l'air avec les nounours. Là, je vais prendre un screenshot, tiens. Allez, screenshot. Ah, c'est bien des documents techniques qui demandent là, ou des, je sais pas, un truc comme ça, enfin, du moins, si j'ai bien compris. On va lui ramener des documents de technique. Ok, un lit. Casse-outil, tiens. Donc, un miracle, ça je prends bien. Ça c'est pour sortir. Il n'y a pas grand chose dans le coin à part quelques trucs qu'ils ont juste trouvé là. C'est tout. Ah si, ah ouais, là il y en a plein là. Je porte toujours sur moi, ok. Bon, là, ça sera maintenant en haut, ça. On aura une caisse d'armement, ça. Oui. Toi, hey. Mon toutou, est-ce que t'as de la place sur toi? Attendez là. Ah ouais, carrément t'as des choses sur toi, toi. Je vais carrément t'enlever ça. Est-ce que tu veux prendre de la bière? Est-ce que j'en ai combien de Jean Lescott? Plissner? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah bah tu peux tous les... Ah non, tu peux prendre. Ah tu peux prendre que ça, ok. Bon déjà, c'est pas mal. Enlever, je peux remarcher. Ouais, donc ça revient même. Tac, je passe par là, là il y a que deux. En fait, il y a que dalle, ok. On va ouvrir par là-bas. Génial. Non, ça c'est ouvert. Ok, ça donne là. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je vais faire?
les vieux canons. Mais je crois que je vais faire en fait. Pff, la patrouille perdue, je peux plus la faire quoi, je peux plus parler au Paladins. Rapport. Ok. Récupère artefact, carburant repris. Ça, je crois que je le ferai avec. D'abord, je vais faire un vieux canon. Château. Ah oui, je dis aussi au château, il faudra que je prévoie déplacer quelques ressources que j'ai là-bas, de la grande ville, pour emmener là-bas pour pouvoir construire. Je pense qu'il faudra que je le fasse. Ça, je ferai hors let's play. On va dire, sera sans caméra. Parler à lui, ok, d'accord. Elle, je suis vraiment désolé, madame. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Ah, vous voilà enfin. On a des trucs importants à se dire. Ok. Vous êtes qui? Je m'appelle Ronnie Shaw, des miliciens du Commonwealth. Du moins, j'en faisais partie. Avant que Joe Baker se fasse tuer et qu'il soit remplacé par des incapables. Qu'est-ce qu'elle veut? Joe Baker? Qui est-ce? C'est désolant. Le général Baker était à la tête des miliciens autrefois. C'est le dernier vrai chef qu'on a eu. Aucun de ceux qui lui ont survécu n'a eu assez de crampes ou assez de cervelle pour prendre les choses en main. Ok. Venez-en au fait. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai entendu dire que vous vouliez remettre les miliciens sur pied. Et j'ai eu envie de rencontrer le nouveau général. Alors dites-moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que les gens ont envie de voir revenir les miliciens? Radio Liberté. Rien à signaler pour le moment. Restez à l'écoute. Les gens commencent à comprendre que le Commonwealth a besoin des miliciens. J'ai entendu du positif, c'est vrai. Sinon, je ne serais pas là. Maintenant que je suis là, je vois que vous avez vraiment besoin de mon aide. Vous voulez vous réengager? On peut dire ça, mais chaque chose en son temps. Je suis sûrement la seule à m'en souvenir, mais l'arsenal du château se trouvait dans le bastion ouest. C'est là qu'on stockait notre meilleur équipement. Armes, munitions, plans et tout le reste. Venez, je vais vous montrer. Ah ben voilà! À quoi ça servait ça? Ok! Youpi! Enfin! Et le bastion ne s'est pas effondré. Maintenant, il faut trouver le moyen d'entrer. Je ne vois pas comment on va passer cette porte. N'abandonnez pas si facilement. Si on ne peut pas faire sauter l'obstacle, il faut le contourner. On va jeter un œil au bastion nord-est. Ok, si elle veut. Bon, par contre, ça marche... pas rapidement, hein. Allez, on se bouge. Merde. Ok. Ah, carrément, je me déplace directement là-bas, c'est plus facile. Bonjour, toi. Faisons du troc. Bien sûr. Faisons du troc. Quartier du général. Il y a un petit souci là, non? Elle est bloquée par ces gravats. Il va falloir dégager tout ça. Comment on veut faire ça? On va descendre et voir si on peut toujours passer. Ok.
Apparemment, on peut passer. Ok, tunnel du château. J'espère qu'il n'y avait pas des fans en jeu. Sinon, s'il y en a, je m'en mange. Enfin, je mordis plutôt. Apparemment, ça pue et il y a de la morille. Ouh! Faites tarte sa maman. Vous mettez les pieds, on voit pas grand chose. Ouais, on va éviter que je me pète la. Comment dire. La gueule. Ça pue le gaz. Ça pue vraiment, mais vraiment le gaz. Plus de canon. Pourquoi pas. Ok, là-dedans il y a que dalle. Et là-dedans il y a que dalle. Ok, sac de cible. C'est sûr que ça, le sac de cible. J'ai intérêt à pas être trop long. Mon char testimine. Une défense. Non, ça va. Fuck. Poussez-vous, madame. On va chercher le bouton. C'est par là, ok, d'accord. C'est par là. Pas si grand chose quand même ici là. Ok, toi t'as cramé, toi je pense que t'as rien d'intéressant. Si là il y a ça. Y'a plus aucune mine là. C'est bon. Prévu ça, non, si, oui, non. Je crois que je dois reprendre du lourd, mais je prends le grand lourd entre quatre, je vais exploser avec. Je crois que je vais prendre mon fusil à pompe, j'ai que ça, devant de puissant. Si, de toute façon, on va essayer avec la masse. Je crois aussi. Protocole défensif.
What? Saloperie! Ah la connasse! La créature mécanique! Ah la chienne! Bon! On fait très pas de ce que j'ai fait tout à l'heure. Regarde bien par terre. Fais attention. Par terre, en fait. Attention, vous mettez les pieds. On voit pas grand chose. Merci, je sais. J'ai rencontré des mines. Dont ma précédente vie. Fuck you, myself. De mine. Ok. En plus, c'est du gaz ici, c'est, ça fait peur. Ça, on récupère. Je crois que ça, je récupérerai plus tard. Parce que c'est pourquoi hein, que j'étais un peu trop lourd aussi. Est-ce qu'il n'y a plus de mine? Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle pour moi, il n'y a plus de mine. Enfin, j'en vois pas. C'est quand même chelou, il n'y a plus de mine. What? Comme si c'était un... Comme là, je crois que je trouve assez loin, je vais tuer mon lance-roquette parce que là, sinon ça prend trop de temps. Je vais essayer. Il y avait une mine là tout à l'heure. What the fuck? Mouvement détecté. État de déroulage de cible. Créature de ouf là. Bon, finalement j'ai pu venir à bout. Et le pantalon. Pour le Commonwealth. Merde, non. Et si vous me laissez? Vous avez une minute? Salut, général. Oui, ah ouais. C'était ça. Ok, c'est cool. Eh, putain, il est bien conservé pour cartouche au plasma. Tiens, on va récupérer ça. Désolé, monsieur le mort général ancien. Ok. on va tester quand même. Donc hein, ça ressemble à quoi en fait? Oh c'est ça. Ouais. Tellement. Quoi je ressemble avec? C'est ici quand le monstre a attaqué le château. Au moins, il a réussi à protéger l'arsenal. Général, bon je préfère garder ça, on verra après.
Il fait prendre l'uniforme, si ça vous fait plaisir. Lui, il en a plus besoin. Reposez en paix. Original la déco. Ok. De sortir les violons pour un truc qui s'est passé il y a 40 ans. Allez, on y est presque. 40 ans et bien conservé le cadavre. Non, 40 ans. Quand ça, il est vraiment conservé le cadavre. Hein. Putain. 40 ans. Putain. On va dire, voilà quoi. Ok, ça c'est bon. Je peux encore manger une. Encore une autre. Voilà, j'ai plus de ration. Ok, bah on va dans le bastion ouest, hein. Ok, bon, je ne sais point où on est. Ah, ça c'est cool. Ça je peux pas les ramasser, ok d'accord. Concentration mousquée, hop, hop. Bon nucléaire. Ah ouais. Voilà, je récupère tout ce que je peux trouver. Avec ça, ça. Voilà. Bon, voyons si ça en valait la peine. Général, quand vous verrez les obus s'abattre sur nos ennemis, vous me remercierez. Bon, allons-y. N'oubliez pas de prendre des grenades fumigènes au passage. Prenez les grenades fumigènes. Ah, elles sont là. Ah, en fait. Oh, notre fan, man. Je vais me brûler à le solder. Trop concentré à faire autre chose. Oh, en fait, man. Oh, notre fan, man. Que vous avez tout ce qu'il nous faut. Dès que vous aurez construit une pièce d'artillerie, on fera un tir d'essai pour la régler. Faut que je la mette où? Faut que je crée une... Ah, spéciale, ok. Je crois que je vais la mettre en hauteur, ça. Non. Ouhou. Ok.
quoi, je suis quand même lourd. Oh my god. Est-ce que je peux faire un marchand? Non. Allez, cours un peu. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez l'artillerie, allez! J'ai préparé l'artillerie. Et je peux te donner un ordre, toi? Non? Calons, ils sont où les autres calons? Il y a quelqu'un dans le coin. Sérieux là? Soit élevé quand même. Non, c'est pas vrai. J'en fous, ils pourront peut-être pas monter dessus, je sais pas, mais j'en fous. Mais non, reviens. Sérieux là? Prenez l'âme dame, je vais vous parler. Hey. Bon sang, ça fait plaisir de revoir un peu d'artillerie. Un truc important à propos des gros canons. De près, ils servent à rien. Mais ils ont une portée impressionnante. C'est à ça que servent les grenades fumigènes. Vous en lancez une sur les ennemis, et si on a de l'artillerie à portée, on n'aura plus qu'à régler le tir sur la zone de fumée après confirmation. Et d'abord, on va faire un essai. Il faut qu'on soit sûr que les tirs sont justes. Vous voyez ce petit bâtiment là-bas? On va s'en servir de cible.
Laissez votre radio allumée sur Radio Liberté, pour qu'on puisse confirmer qu'on est prêt. Alors, allumer fréquence radio. Ok. What the fuck? Ok, c'est là. Ok. Et maintenant? Ok, bon, oui, c'est une grosse destruction, oui. Je vous l'accorde, madame, ça fait beaucoup dégâts. What the f... Oui. Ça fait dégâts. Ok, bon, ça, c'est fait. Combien j'ai de place sur moi? Alors, je suis à 300... Ok. J'ai beaucoup de place, ouais. Ah, mais aussi, j'ai deux Fatman. Je crois que je vais les laisser dans un coffre. Bon, j'espère que cette musique n'est pas... en mode... protéger. Ah, mais la fragmentation, c'est là qu'on fera du stock d'armes si je viens ici. Et même si je prends... Vous écoutez Radio Liberté. Rien à signaler. Couleur mon casque. Tac 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 tac. On prend ça. Hop. Je peux pas tout emmener. On va tout purifier, ça fait du bien. Un Coca-Cola. Un Porto Rico, j'ai un peu faim, même si c'est une cigarade. Merde! Non, c'est pas grave. On va essayer de bouffer la bouffe sale. Radio Liberté en diffusion ininterrompue dans tout 405. Donc j'en ai. J'ai pas du bric-à-brac, non, j'ai pas de bric-à-brac sur moi. Peut-être des mods. Limite, les mods, là, je vais les mettre dedans.
colique. C'est combien de poids ça? 5 de poids, non, c'est pas ça. Peut-être là, peut-être. Le chapeau là, c'est le chapeau, je crois. Je peux prendre, on peut le garder. Bon, bah, je vais laisser une arme. Une pulsion, ça, tac, tac, déjà ça fait moins. Où je puisse partir comme ça au moins. Vous écoutez Radio Liberté, la voix des miliciens. Tout est calme et c'est tant mieux comme ça. Veillez à votre sécurité. Ici Radio Liberté en diffusion ininterrompue dans tout le Commonwealth. Rien à signaler. Faites attention à vous. Grenade ronde. Ça fait un poids. Ah non, c'est bon. Ok. Bon, ben là je vais partir à ma ville principale. Je vais faire quelques trucs. Donc voilà. Donc là je vous laisse sur cet épisode. Donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode dessus sur Fallout 4. Donc c'était Gunshow. Bye bye.